Puis, pour clore cette magnifique tournée, il s'est rendu samedi en République démocratique du Congo. Et là, ce fut le clou du spectacle. Incapable de dénoncer le financement de la milice M23 par le Rwanda, le président a cru bon d'insulter Félix Tshisekedi, puis s'est embourbé dans un discours au relent colonialiste qui a profondément choqué son homologue et l'ensemble du plus grand pays francophone au monde. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Alors comment s'étonner ensuite que l'influence russe s'étende depuis des années sur le continent africain, où le sentiment anti-français, lui, ne fait que croître? Que beaucoup de ces États refusent de s'engager à nos côtés dans le soutien à l'Ukraine. Qu'après notre échec en Libye puis au Sahel, de grands pays comme le Mali ou le Burkina Faso nous demandent de fermer nos casernes militaires. Chers collègues, croyez-vous vraiment que ces États sont aveugles à la différence de traitement dans l'accueil des réfugiés venus d'Ukraine face à ceux venus d'Afrique ou du Moyen-Orient? Ou encore, ainsi que l'acteur Omar Sy nous l'a récemment rappelé, qu'ils ne voient pas notre indifférence face aux conflits qui ravagent leur continent? La guerre oubliée du Tigré, qui s'achève à peine, a fait 600 000 morts en Éthiopie. Et Emmanuel Macron a pourtant reçu Abiy Ahmed, responsable de ces massacres, en grande pompe à l'Élysée le mois dernier. Il est temps d'en finir avec ce double standard en matière de droits humains et de démocratie en Afrique. L'Empire français s'est terminé. C'est maintenant avec les diasporas, la société civile et surtout la jeunesse que de nouvelles coopérations doivent se construire à égalité. Alors Madame la Ministre, vous qui êtes une diplomate aguerrie, ma question est simple. Qu'avez-vous pensé de cette tournée du professeur Macron en Afrique? Je vous remercie. Je vous remercie. La... Allô, la team, baby, indi, à toi, ça, chez Agnès Business. Balobi, à toi, c'est carabilo, quoi, qualité, ni pareil. Toujours chez nous, Agnès Business, n'est ma cam. Babi, à toi, dans la cotique, toi, dans la macaïabou, toi, dans la viande, toi, dans la macosso, toi, dans la poisson, toi, dans la huile, toi, dans la semoule, toi, dans la l'os, toi, dans nyonso, oyo, koluka, à oui, salina, prix, yassé. Agnès Business, en tout cas, la prix n'a dit souhaitablement abordable. Tout en a vu le voyage bien, parce que bah, toutes les nions sont jolies. Oh, ma foi. Oh, ma poso, Missy, Sternoun. Donc, en tout cas, c'est quand même un peu malin. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on tombe dans le carton et belé, tu sais, l'eau réduction et après. Nous avons justement en venir Lumumba, numéro 6168, derrière l'aéroport et à Ndolo. Ma carte à l'opin, on a pas chinois, c'est qu'à la vie, tu vas bien en Hawaï. Donc, outil triangle, au dos qui est né, vers le Tébaboua, qui est bloqué, dans Ndolo. Tout ça, voilà. Venez nombreux, tout ça, juste dans l'immédiat, Awa. Donc, Awa, Ndé, Balobi, Makambutu, ok. En tout cas, si vous voyez, vous allez cité, vous allez bien servir. Bon, patapatati, Awa, Ndé, chez Anna Business, toujours tocos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Monsieur Dame, bonjour. Merci. Vous avez l'abisso un peu partout. Merci Nabino. Ndenge vous avez comme l'abisso, vous avez soutenir l'abisso. Nous sommes là pour vous informer comme d'habitude, analyser sur les questions d'actualité, les questions politiques. Et pour permettre à Bichot, tout cela, toujours avec vous. C'est votre humble serviteur, Eric Issouaka, le défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. Bichot, analysaka, pour défendre la patrie. Nous sommes là pour réfléchir sur des questions importantes. Et nous devons nous mettre ensemble, unis pour que Mboka éthique à l'obé Moko. Et ça, c'est aussi un devoir, tout pour ça, là. Pour être Mboka Nabiso, Ezala, Malam. Et nous continuons de travailler pour cela. Défendons la République démocratique du Congo. Défendons les intérêts de notre pays contre ceux que nous sommes en train de vivre. Puisqu'il faut qu'on rappelle que, Isaïe Nabatomoussou, Soubazako Bunda, pour Nakolinga et Mboka Nabiso, Ezala, séparés, Bazali, qu'on travaille pour que ce pays soit balkanisé. Nous devrons nous mettre ensemble pour que ce pays reste un et indivisible. Le Congo ne peut pas être balkanisé. Et si nous acceptons que le Congo devient balkanisé, c'est nous qui serons les perdants. Pourquoi? Puisque Mboka qui n'est pas Batomo Soussou. Et bien, ce qui Mboka qui n'est pas Batomo Soussou, nous serons les grands perdants. Et donc, il est évident et important de rester un et de travailler pour que ce pays reste un et indivisible. Messieurs, dames, vous savez qu'il avait été prévu. Le 7 mars, il fallait cesser le feu, c'est-à-dire, ils ont la mise en place entre les M23 basés qui ont agressé Mboka Nabiso. Donc, tout avait été signé. Que le 7 mars, il fallait bazombisa kanabango, babimana territoire Mboka Nabiso. Ça avait été prévu déjà.
Avant que ça soit le 7 mars, le président français était ici au Congo. Et vous savez que le président français a tenu un discours pour les Congolais. Et d'ailleurs, il y avait un discours qu'il avait tenu qui avait choqué la République démocratique du Congo. Il disait que depuis 1994, nous n'avons pas mis au Tokoka qui était à c'est-à-dire imposer notre souveraineté. Ça, c'était les discours d'Emmanuel Macron. Il parle de notre administration militaire, il parle de notre souveraineté. Mais je reviendrai de ça pour montrer que n'a relaxé Emmanuel Macron que n'a 94, il est à Zalagi non moins à monquer, puisqu'il est à Kimakamouté. C'est pourquoi je dis qu'il ne connaît ni l'histoire de l'Afrique, ni les réalités de l'Afrique. Soit il connaît, il fait semblant, soit il ne les connaît pas. On va essayer encore de mettre ça et vous allez comprendre que tout ce que Macron avait dit quand il était arrivé ici, ce n'était que des mensonges. Il n'était que venu faire un passage vide, sans impact, qui n'a ni impact en Afrique, ni en République démocratique du Congo, et même ni en France. Puisque la minute de la France, qu'on a la Landaki, citoyen français, la marche contre Emmanuel Macron, ils ne sont pas d'accord avec sa politique. Et j'ai vu le français en train de faire. Hier, Emmanuel Macron, tant qu'il y a qu'en Afrique, il parle de respect des droits de l'homme, il parle de respect, n'est-ce pas, de la liberté de l'expression, etc. Mais tout le monde dit comment lors des marches. J'ai vu les policiers tirer au panzabatou. Et je me suis posé la question. C'est ce qu'il venait dire pour l'Afrique quand il parlait de respect des droits de l'homme, etc. Et est-ce qu'il y a-t-il eu respect des droits de l'homme en France pendant que les citoyens français réclament ce qui est le leur? Ils veulent que le taux de chômage, n'est-ce pas, réduire Yango Batouba, etc. avec tout ce qu'ils demandent, etc. Lui, il est incapable de résoudre ses problèmes, mais il vient en Afrique et il nous fait la leçon de la morale, et également au Congo, il vient tenir des propos, n'est-ce pas, qui avaient choqué les citoyens congolais, en disant que depuis 1994, Bissot aurait pu imposer souveraineté à Mokana Bissoté. Emmanuel Macron, fin de ses causes, et puis Bato Bazako soutenir Rio, donc rappeler l'histoire du Congo. On va leur rappeler l'histoire du Congo. Ils vont comprendre en réalité que ce qu'ils pensent pour l'Afrique, c'est pas ça. Et il faut dire que les Africains, c'est-à-dire comprendre que Mbokanabango, tout continent Bango, ne peut qu'être développé que par eux. Et d'ailleurs, il y a même certains Français qui ont compris que la politique des autres sur l'Afrique fait en sorte que l'Afrique soit réquilée. Pourquoi voulez-vous que les autres soient réquilés et que vous puissiez avancer? Non, il faudrait que chaque continent puisse se développer, puisque lorsque nous nous développons, nous allons collaborer étroitement et nos pays avancent. Mais lorsque vous voulez que vous soyez développés et que les autres commencent à quémander, et ça, c'est une chose que nous n'acceptions pas. Messieurs, dames. Bonsoir, ma communauté congolaise. Ah, ils appellent Abino, na All Nation Store. Et pas la maître Seti. Tous les autres Oyo, Nanga, Naye, Bisonyo Zotou, Toliaka. Tozali Awa, na Tottenham L, na numéro 121, High Cross Road, Postcode code Nepsuza N17, 9NR, sorry. Soko Leki, restaurant Deluxe Mana, Tope Deluxe Mana, ou Leki Mouke, pavement, ou Mati Kabiso, ou Mona Tona Soukawana. Ou soit Souti Bushcroft, Tona Bissa 23, Bissa 30, Bissa 42, 76 et tellement cas juste les bosses n'abissent pas ou soit au kitikara na underground ya Tottenham L ndé obet no makolo quand ndé tuera restaurant Deluxe soroyé au mon n'abissent pas on a ba produit nyo surtout tous en ba carton nyo surtout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyo surtout auto salango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout aux musulmans. Si vous avez une mosquée, vous allez faire un matif souka. Si retard, si 22h, si 23h. Dimanche, vous allez faire un Christ, un chrétien. Vous allez faire un pébino, vous allez faire un labino. Si vous avez une church, parking des Afriques, vous allez shopping à Mino. Vous allez faire un 22h. Livery, vous avez un link qui est très cher. Si vous avez un link en haut, vous cliquez, vous cliquez dans le cati. Vous produit dans le cati. Fila basket na yo. Et puis au checkout quand même tout ça là Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au samedi on a tous deux options tous en delivery tous appel na pick up. Laissez le fait to lobaki yango que nous attendions la volonté
si il faut que na lobayango ya ngambo mosusu wana, c'est-à-dire le M23 de céder de quitter le territoire congolais. Il avait été prévu que balungwa depuis les 7 les autres za koluba tous les 7 états. Nous vous informons qu'ils sont encore sur le territoire congolais. Et sur le territoire congolais, ils ont, en ayant pris Bunagana, Tichiche dans la partie, n'est-ce pas, du Nord Kivu, c'est-à-dire cette partie-là, il y a ma territoire, ma village, je suis au Bakangi. Prévu, il y a cessé les faits. Mais ils continuent toujours de s'imposer, ils continuent toujours de tirer, puisque hier, il y a eu encore des tirs. Je vous dis, à part côté à il y a Kichiche, il y a eu des tirs, c'est-à-dire le M23 contre l'armée de la République démocratique du Congo. La MONUSCO sur terrain et la dame là de la MONUSCO, c'est la représentante de la MONUSCO, c'est Bintou Keita, etc. Comment on l'appelle, je ne sais pas si c'est elle. Dans l'année de Skournaye, n'est-ce pas? Elle qui est de la MONUSCO, qui représente la MONUSCO, elle a vu de ses propres yeux, excusez-moi de cette figure de style, que le 1-23 continue toujours à insister dans la partie est de la République. Le 1-23 continue toujours à rester dans la partie est de la République. Et vous allez comprendre une chose, que même l'arrivée d'Emmanuel Macron, ce qu'il a dit sur la République démocratique du Congo, c'est la même chose que ce que M. Paul Kagame dit, et c'est la même chose que ce que les opposants disent. Puisque Paul Kagame, quand il voulait détourner les Congolais de vraies réalités de la sécurité à l'est de la République, il avait parlé des questions, il y avait élection. Alors, question Nazo s'est posée. Pendant Emmanuel Macron a relevé qui question, il y avait élection, la conférence des presse, na Félix Tshisekedi, par rapport à la question posée à journalistes sur le compromis à l'africaine. Pourquoi monsieur Emmanuel Macron voulait-il justifier ce compromis à l'africaine? De la même manière que M. Kagame, tant que Félix Tshisekedi a mis la pression contre le Rwanda, Kagame a tenu la conférence de presse pendant que le président Tshisekedi n'était pas élu. Alors, posons-nous la question. Quel est le lien entre l'agression que nous avons subir avec le président qui est contre ce que nous sommes en train de subir, mettre la pression, et du fait de son élection? Est-ce que c'est son élection qui ferait qu'il y ait la sécurité ou pas? Allez-y comprendre. N'hésitez pas à vous comprendre. N'allez pas à vous. Lié à Zawapi, tant que Kagame, Azakoluba, qui est Félix Tshisekedi, Azaki, élite, dans ma caméra, il y a une sécurité, il y a un cannabis, lié à Zawapi. N'a M. Emmanuel Macron, Azako répondre par rapport à la question d'un journaliste sur le compromis africain. Et lié à Zawapi par rapport à ma caméra, il y a une sécurité dans la partie est. Vous avez compris que, Bazako utilisé lié à l'élection, puisqu'ils ont compris que le président Tshisekedi, qui n'est pas d'accord avec les accords qui ont précédé à l'époque, n'est-ce pas? Qui font qu'en sorte que le 1-23, le Rwanda, Bazali, que Senga toujours, qu'on exploite une autre terre, qu'on a minéré dans l'Abisso, et lui n'est pas d'accord avec, et les autres doivent utiliser, n'est-ce pas? Ils doivent utiliser, moi je vais appeler ça, certaines irrégularités entre guillemets, pour montrer ça aux yeux de tous, que voilà ces présidents, comment président dans l'irrégularité. Bon, s'il y avait irrégularité au Congo, la place de la France, c'est quoi? S'il y avait des irrégularités dans Mauritanie, l'élection à RDC, place Yangola et Zanini. S'il y avait des irrégularités dans Congo, dans Mauritanie, l'élection, place Yarwanda et Kolobela, il y a des irrégularités et Zali Wapi. Est-ce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché? Sauf que l'élection, ça l'a bien à Congo. Rwanda, Kolobela, 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 Kolobela. Et vous allez comprendre que, utiliser en mot pour n'avoir aveuglé le peuple, c'est-à-dire que le peuple s'est soulevé contre Tshisekedi, pour ma communauté internationale, base à l'élément de langage à Koluka, et comment qu'on masque, et puis vouloir mettre la pression à Kende, base au motomonsu, sur la voie qu'on malayait, malette, n'est-ce pas, dans la Kabila, pour ma continuer pour exploiter minerai Nabisso. Je ne sais pas si vous avez compris. J'aimerais que vous compreniez un gars bien ici qu'à vos alliés. Suivez-moi correctement. Je crois qu'il y avait une maman très intelligente que j'aime beaucoup, ma maman Sengou, qui m'a toujours dit, Eric, Kogan, la réalité, sois calme quand tu parles. Mais écoutez-moi très bien, puisque j'allais m'énerver à un certain moment. Lien Ezawapi, Bolandanga Malam, lien Ezawapi entre insécurité, tout ça, pour vivre, Namakambo Italie élection, Bolisana, lien Ezawapi.
tango bato musu baza ko bakino o yazala ki eli o yazala ki elite bon soki waza elite biso ba congolais to zimeye aza ko dirige biso so tin pot tin na bino zanimi bokomi cour constitutionnel ya Congo bokomi seni ya Congo bo lebela ba congolais ko ezali makambo na bango ya Congo c'est absurde. Quand il y a eu des irrégularités dans l'élection, il y a États-Unis. Donald Trump a mis mal au la Martin Fayoulou, il n'est pas un président élu. Est-ce que le monde qui est Angola, il y a l'obité, va suspendre l'élection aux États-Unis pour une question d'irrégularité totale? Personne n'en a parlé. Mais pourquoi l'Occident prend cela et s'impose sur les réalités de l'insécurité qui est vécue dans la partie est de la République? Une sorte de distraction, monsieur, dame. La fameuse communauté internationale est en train de distraire l'opinion et également distraire les Congolais qui ne sont pas éveillés. L'insécurité est le moyen à Bango et à s'approvisionner des richesses du Congo. Et ils sont en train de vous aveugler inutilement. Et ils sont en train de nous aveugler inutilement sur des consensus, des préambules, des accords, des dialogues. Tout ça, ça n'a rien apporté. Puisque le président Tshisekedi a créé un dialogue, il y a Nairobi, il y a Luanda, non, mais aussi l'Afrique du Sud. J'ai voulu dans tout ce qu'il a fait comme démarche, les M23 est resté catégorie précis. Et d'ailleurs, on s'est rappelé, tant que Emmanuel Macron fallait y aller en Congo, mais c'est pas Congolais qui est en Congo. Mais Paul Kagame a dit qu'Emmanuel Macron allait en Congo. Et puis, il a dit que les manifestations sont pour ça là en Congo et qu'on porte le remorté sur Emmanuel Macron, puisqu'il faut qu'on y ait caillé. Ça veut carrément dire que Emmanuel Macron c'était l'envoyé de M. Paul Kagame au Congo pour nous faire passer les messages. Puisque la quatrième discours d'Emmanuel Macron, conférence de presse, a-t-il jamais qu'autant à Congo et Paul Kagame comme étant l'agresseur du Congo. Emmanuel Macron a tangi à noter. La première des choses. Deuxième des choses, Emmanuel Macron a tangi le Rwanda comme pays qui agresse la République démocratique du Congo. A tangi à noter. Il parle des groupes de rebelles qui sont soutenus par des forces extérieures et internes, il ne sait que limiter dans ça. Alors qu'il y a d'autres pays comme les États-Unis qui ont demandé au Rwanda de ne pas soutenir les M23. Mais Emmanuel Macron l'a bien voté. Il n'a pas parlé. Parce que Emmanuel Macron et Paul Kagame, en fait, ce sont des partenaires ensemble qui travaillent ensemble au détriment de l'Afrique. Kagame, d'ailleurs, certains Africains n'aiment pas la politique de M. Kagame sur l'Afrique. Moi, je l'ai toujours appelé un Hitler créé par les Occidentaux pour détruire l'Afrique. Et également, il joue un pion pour détruire la République démocratique du Congo. Alors, tout compte dans le cas discours d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si je compromis, mais je ne sais pas si je compromis. Tout compte dans le 1994. Il dit que depuis 1994, les Congo n'ont pas imposé souveraineté. Mais M. Emmanuel Macron, soit vous n'êtes pas intelligent comme président français, soit vous n'avez pas acquis assez de connaissances, soit vous ne faites aucune recherche pour comprendre l'historique ou l'histoire de notre pays. Ce n'est pas en 1994 que la communauté internationale nous avait demandé, nous, de loger les Tutsis rwandais au Congo. Est-ce que vous ne vous rappelez pas en 1994, les Congolais, les Zaïrois à l'époque, les Boyaka, les Rwandais, les Kota, na Congo, nous avons la couloir humanitaire, tout le monde. Tango, d'abord, on a un cas de Paul Kagame. L'agression, d'ailleurs, c'est d'abord l'année où Paul Kagame a commencé à poser ses crimes, à créer ses crimes. Vous nous avez demandé à loger le Rwanda, tout le monde a dit que le Zaïro à l'époque, nous avons refusé. Et d'ailleurs, j'ai aimé la question à un journaliste qui avait posé ça à Emmanuel Macron, qui a balbutié. Il ne savait rien répondre à cette question. Pour lui, il ne faudrait pas jeter le sort à la France. La France n'a pas de problème, etc. Patati patati. Donc, c'était un comportement d'un monsieur qui ne savait rien dire et il ne savait rien expliquer. Mais je vous rappelle l'histoire de cela. Est-ce que le Congo en 94 n'était pas capable de restaurer sa souveraineté? Faux et archi faux. Nous étions capables et en 94, nous avions une armée forte sous Mobutu à l'époque. Mais la communauté internationale nous a obligés, nous, de bonne volonté, les Zaïrois à l'époque, de laisser les autres entrer sur nos territoires, tout yamba bango pour tout battre la bango, pour un certain moment. Et en 95, l'ancien président du Sénat, Kengo Wadondo, a senga après 95, à l'obaka que non,
Tozongi sabaruande wana na mboka na bango. En 95, après 94, on va koti. Na 95, monsieur Ken Wadonga Sengaka, à l'époque, tozongi sabaruande bakembe. Mais Mobutu, qui était aussi complice d'une manière d'autre, il faudrait le dire, Mobutu avait refusé que nous puissions, n'est-ce pas, demander à ces Rwandais de rentrer, puisque Mobutu avait subi la pression à la communauté internationale à l'époque. Et d'ailleurs, à l'époque, Ken Wadome n'était plus en bonne collaboration avec Mobutu, puisque Mobutu s'imposait sur la décision du Sénat à l'époque. Et également, il y a eu des secrétaires d'État américains, les celui des Nations Unies et les autres, qui ont demandé à M. Kengo, à l'époque, selon l'histoire, de ne pas contredire la volonté de Mobutu sur le fait qu'il fallait que ces Rwandais restent sur le territoire congolais. Ce que j'ai mis Sangaï. Est-ce que ils ont la volonté de Zaïro, que vous avez dit volonté de la communauté internationale, la France qui faisait aussi partie de cela. Puisque nous en sommes, tant que nous avons en 94, en 95, nous avons demandé à ce qu'ils quittent, qu'ils rentrent chez eux, puisque nous savions, nous connaissions que ça pouvait créer des problèmes. Mais Mobutu avait refusé, puisque Mobutu avait subi des injonctions de la communauté internationale. On lui mettait pression. Il faut comprendre que vers 94-95, Mobutu aussi était déjà presque épuisé par rapport à sa politique. Il voulait aussi plaire à la volonté des autres. Il y avait une pression subie par la communauté internationale. Et nous avons demandé que ces gens-là rentrent. Mais on a fait la pression, bah ça la pression sur Ken Wadonga, l'ancien président du Sénat, bah ça la pression. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de ça, messieurs, dames? Parce que tant qu'il y a lobby, que nous n'avions pas arrivé à installer souveraineté dans Bissot. Souveraineté dans Bissot, Bissot est au coca qui t'est, ton Bissot est au qui pression la communauté internationale. Allez-y comprendre que Emmanuel Macron et les autres ont balbutié. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, certes, l'opprobre, c'est les autres aussi. Il faudrait que Babouchou va participer à la crise que nous avons vivre. Mais également, nous aussi, les Congolais, pour participer à Nango, puisque nous sommes laissés faire par la volonté des autres, et pour continuer à faire, il y a complicité. Pour le Congo, c'est la complicité de certains Congolais n'a pas fait Wall. Alors, je vais affronter les deux vidéos. J'aimerais ici que les caméramen m'aident. Très bien. Je vais affronter deux vidéos. Vidéo de Monsieur Azako affronter, c'est-à-dire vidéo où le président français Azako Loba, que Bissot croyait qu'on installait souveraineté en Bokana Bissoté. Depuis 1994, tu as parti Wana. Et je vais vous mettre encore des interventions en 95, je crois que c'était entre le mois de décembre et novembre, à moins que ma mémoire ne me trahisse pas. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Les discours de M. Ken Wadondo, qui explique qu'en 94, comment les Rwandais ont accédé sur le territoire congolais, et également en 95, comment Ken Wadondo et les autres cherchaient à faire partir ces gens-là, mais la communauté internationale s'est imposée sur la volonté de Zaïroa. Et maintenant, vous allez affronter ces deux éléments-là. En affrontant ces deux éléments-là, ce que vous voyez, c'est que vous avez dit, vous croyez que tu as souveraineté, vous avez dit qu'il fallait toujours que la communauté internationale nous a obligé de quitter. Mais qui est de la communauté internationale? La France fait partie des pays qui décident. Les locaux de France, c'est ça que c'est un conseil. N'est-ce pas, le Conseil des secrétaires des Nations Unies, il siège là-bas. Il a des décisions à prendre là-bas. D'ailleurs, à Zora, il y a des décisions à B sur le Congo. Levez mes yeux, il y a une notification, il y a un embargo militaire. À Boya, comment lever mes yeux, c'est la pression diplomatique qui fait en sorte que lever un mot contre la volonté de la France, puisqu'il fallait être démarré sous l'embargo, tout ce moment armé, tout ça l'a bloqué pour Bangouba se retrouver. C'était ça leur volonté. Alors, nous affrontons les deux éléments. La première des vidéos, messieurs, dames, nous allons affronter, c'est les éléments dont Emmanuel Macron parle. Mouyoka Emmanuel Macron Tangazako Loba, et Mouyoka peut répliquer à président Félix Tshisekedi. Et deuxième élément, vous allez suivre l'élément, il y a Ken Wadondo, l'ancien président du Sénat, c'est qu'il parle, Tangazako Loba, discours, quand il est en train d'expliquer comment les autres, la communauté internationale s'est imposée. Et vous allez comprendre maintenant où est ressorti le mensonge d'Emmanuel Macron. Et par là, vous comprenez que, vous allez comprendre que la France est un pays des hypocrites. Et cette fameuse communauté internationale est toujours derrière les intérêts des hypocrites, les intérêts des aventuriers, puisqu'ils veulent
n'est-ce pas, asphyxier le Congo économiquement. Ils ne veulent pas que nous puissions prospérer. Pour Nabango, il faut exploiter la partie est de la République. Et pour Nabango, il faut faire ce qu'il doit respecter l'accord et précédent. L'accord au Bango va signer à l'époque pour nous exploiter ma bénédiction Nabiso, aux minéraux Nabiso, et que le Rwanda puisse en bénéficier en gros, administrativement, que Nangambo y a France et que Nabango y a États-Unis et développer pour Nabango au détriment de notre pays. Suivez ces éléments très calmement. Et nous allons nous retrouver après. Et puis par là, vous allez maintenant commenter. Par rapport à ceux qui disent que la gestion du pays était chaotique par les régimes qui ont précédé ou par ces régimes, et nous qui avons démontré que les problèmes n'étaient pas simplement ces régimes, certes l'infiltration a été par aussi des Congolais qui n'ont pas accepté que le pays puisse avancer, mais également la grande partie, c'était les autres. Comparons ces éléments et nous nous retrouvons juste après. Le président français achevait samedi en RDC une tournée dans quatre pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec l'Afrique. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse des propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui en 2019 avait qualifié l'élection de Félix Tshisekedi de compromis à l'africaine. Si Emmanuel Macron a attribué l'erreur diplomatique de Jean-Yves Le Drian à la presse française, Tshisekedi a lui exprimé son désaccord. Français. Oui, mais le compromis à l'Afrique, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propre au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, Emmanuel Macron a pointé du doigt les lacunes des autorités. Depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Un partenariat avec la France a par ailleurs été conclu ce samedi pour la cartographie. Messieurs, dames, bolandite, bolandite. Si quoi, oyo, boyo, qui, élément, il y a Emmanuel Macron qui parle, na, oh, il y a président Félix Tshisekedi qui est en train de les contredire sur certains compromis qu'il parle à l'Africain, mais également du fait qu'à l'OBI, que nous étions incapables de restaurer la souveraineté de notre pays, et aussi les messieurs Kengo Wadundu, qui a raison, qui a tort. J'ai mis ces éléments ici pour vous démontrer à suffisance la volonté des autres sur le Congo. Il y a qu'au détruire le cannabiso. Léon Kengo Wadundu avait pris une décision de rapatrier les réfugiés Hutu avant le 31 décembre 1995. Je rappelle encore, Léon Kengo Wadundu avait pris une décision de rapatrier les réfugiés Hutu avant le 31 décembre 1994 avec la collaboration de la population du Nord Kivu. Mais la communauté internationale de l'époque ne voulait pas. Et il avait interdit que cela se fasse. Il avait interdit que cela se fasse. L'ONU peut asseoir une résolution pour nous endormir. Mais pendant ce temps, la même ONU fait des pressions sur nos dirigeants pour ne pas respecter ces mêmes résolutions. Ça veut dire quoi? Là, dans quatre éléments, on a Outurutia. Léo Kengo Wadundu vous explique comment l'ONU et les autres de la communauté de Saint-Le font. Ils vous font semblant de dénoncer, parce que l'Assemblée a dénoncé l'agression que vous avez subie. Au même moment que l'Assemblée a dénoncé en haut, il y a des résolutions qui sont prises. Au même moment, ils travaillent pour que les résolutions ne soient pas mises en place. Au même moment, ils font que la résolution soit respectée. Au même moment, ils sont en train de financer les groupes rebelles.
au même moment, ils sont en train de financer les 1-23 et le Rwanda. Au même moment, ils ont dit qu'il y avait un consensus et un dialogue. Au même moment, ils ont imposé dans nos châteaux la manière de vous conduire. Au même moment, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme un sorcier qui vient créer des problèmes entre deux personnes. Alors, il y a ça qui est bouillé, à quel pas, il y a ça qui est bouillé. Et pour eux, il faut que cela se fasse pour bénéficier, n'est-ce pas, de ce qu'ils veulent. Puisque, regardez dans tout ce qui avait été prévu. Ce sont les faits Liboso. Tu peux savoir 48 heures. Et salamaté. Et boyobi, boyobi, très bien. Tu peux savoir 48 heures, mais et salamaté. Tilelo. Bakendate, bazali na territoire. Toloki, toloki, force régionale, et zalaki na ba résolution nango. Force régionale, baki ke choki dans 48 heures, bakéite, bako appliquer force. Yebi sangai. Banda force régionale azali. Bobi sangai. À table militaire, il y a force régionale à Betata Mundu Kilikolo. Mais surtout, c'est quand même sérieux. Dites-moi, quel est le militaire de force régionale qui a même tiré Nikolo pour la Kolinga Kubangi Sabatuangam? Vous vous souviendrez, na Burundi, le chef de l'État Koutami face à face dans le commandant de la force régionale. A dit c'est bon communiquer. Parce que tes peuples ont besoin comme on a connu qu'on s'est rébellé contre nous. Les Congolais sont comme ça. Quand ils sont d'accord avec vous, il faut en profiter. Quand ils sont plus d'accord avec vous, eh bien, vous allez graisser les dents puisqu'ils vont s'attaquer à vous. Rappelez-vous comment ils se sont attaqués à la MONUSCO. Ils ont même tué certains de la MONUSCO à cause du fait que Bangou basa sur le territoire congolais basa Rosa et Loroté. Il avait été prévu dans 48 heures Bakende, Bakéité, pressé à force régionale, Tolobatike, il devait faire, devait être aux côtés de notre armée, mais il s'était une zone tempo. Les objectifs n'étaient pas des zones tempo. D'ailleurs, beaucoup s'est rappelé que le gouvernement congolais a rappelé à Kabango par un document qui a été publié sur les devoirs de la force régionale. Rien du tout. La force régionale, Bakosa de l'Oroté, Bafandi Kinya, deuxièmement, MONUSCO, Abetine et Kara, Azakosa de l'Oroté, toutes les résolutions ici prises à Luanda, à Nairobi, monsieur, dame, jusqu'à ce moment, je vous dis, rien et rien, rien n'est fait. Deuxièmement, dans cette partie, il y a complicité à la Congolais. Moi, sur le bagage à Bisso, on a un député qui quittait les groupes armés. Mais il y a un député national Nord qui va kangiye. Député, on a, azalaka na bilanganaye, et na kate bilanganaye, a bon baramandouki. Na kotiye la bino vidéo, on a. Et député, on a collaboré avec le militaire de M23. Balandi, on a fermé naye, bakeko kundola mandouki. Un député national, s'il vous plaît, messieurs, dames. Un député du Nord Kivu qui collabore avec les M23, qui collabore avec, n'est-ce pas, les William Ngomba et les autres, à Bombaka Mandouki na ba chanaye, et si la salle à Bilanganaye, à Bombaka, et il donne aux autres pour exploiter, pour tuer les paisibles Congolais. Voilà le traîtrisme de nos frères Congolais, côté Toza. Nous sommes Congolais, tout le monde participe à un traîtrisme. Poto lingi mbongo mingi, Kongola lingi mbongo mingi, lokoso mingi ya mbongo, azali pre ya kotye la moto poison, azali pre ya kobo mamute, et puis azali pre ya kolobe la moto mabe, pona ba intere na ye, si tout soka le komi intere ya mbongo, akosale le emisyo a toke lui, a teleme liyo, kaka po la mbongo azali kozo wana. Kaka po la mbongo azali kozo. Un député national, qui collabore avec les autres, et il a été arrêté, na katia ferme na ye, Bazako Kundula Basali Mabulu et on a trouvé des armes enterrées. Babomba Yangouana. Il a été maîtrisé et on a aussi dû arrêter certains. Quand Boss vous disait quitter les groupes armés, on pensait que c'était des blagues. Puisqu'il y a des rapports qui démontrent aussi à suffisance la participation aussi de certains Congolais dans ces conflits qui règnent dans la partie est de la République. Qui sont là aussi pour créer terreur et atrocité, messieurs, dames. Suivez cette vidéo où Bad. Longoli Mandou qui a été enterré par ses députés et il a été maîtrisé. Suivant. Vous avez suivi de vous-même. Je passe à Mandou et à Gangi. Tala Makambouza pour Mamboka. Kotoyo, complicité à la communauté internationale. Sur place, il y a Félix Tshisekedi Ali Wapi. Kotoyo, il y a élection, élection. Yembe Moutou, à l'ingénieur de choses à la tête de Makambouza de Salama. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a ce que nous appelons du mélange. En fait, le problème du Congo, il y a des gens qui ont des bandes, qui ont des secteurs, qui ont des secteurs, qui ont des secteurs, qui ont des secteurs, qui ont des secteurs,
Moutona mouton, comme ça, la nenga lingi, Congo, comme ça, il y a COP. Et les gens, même les militaires, bah, c'est l'ensemble de la COP minéré. Tu as un tango fort, tu as un banane, tu as un flat hôtel, 5, 6 étoiles, ah, on a dit ça. Tu poses une question, il y a un militaire qui a fait un bon temps. Il y a un bon temps, il y a un COP, il y a un drogue, il y a un diamant, il y a un cuivre. Voilà, un menu du peuple. Et puis, dans l'Assemblée nationale, à cause de l'Assemblée, le gars, la moutaline, Kinya, et alors qu'il s'est un élu du peuple, il est du Nord Kivu. Et vous voyez cette participation à ce qui règne dans notre pays. Soit nous voulons ce pays, soit nous ne le voulons pas. Il faut à un certain moment que nous soyons vrais avec nous-mêmes, avec la politique que nous voulons faire dans ce pays. Arrêtons de tergiverser. Allez-y comprendre que je venais de vous évoquer la volonté de la fameuse communauté internationale sur la République démocratique du Congo. Dont certains sont venus ici avec une politique mensongère, nous faire nous jeter de l'opprobre alors qu'eux-mêmes sont, font partie des agresseurs du Congo. Et aujourd'hui, je tiens à affirmer, à confirmer que les agresseurs du Congo, ce n'est pas simplement le Rwanda, c'est aussi une partie de la communauté internationale. Messieurs, dames, tu vas clôturer un élément. Un député du Parlement, il y a l'Union européenne. À ça, qu'on a le même monitoring. Il y a avenu Emmanuel Macron ici au Congo et en Afrique et il vous affirme que ça n'a rien apporté sur l'Afrique et sur le Congo puisqu'il n'a même pas condamné. Et aujourd'hui, je vous dis que la pression diplomatique de du régime a fait en sorte que certains puissent parler des questions de l'insécurité de la RDC. Ça dit qu'aujourd'hui, beaucoup de nations pointent du doigt le Rwanda. Ça dit que la pression de la diplomatie du Congo fait en sorte qu'aujourd'hui, même si certains font semblant, les autres n'acceptent pas ces semblants, ils parlent. Puisqu'on nous rappelle que pour la guerre de la Russie et l'Ukraine, l'OTAN et les autres sont en train de faire la pression pour que l'Ukraine puisse vaincre cette guerre-là. Mais pour le Congo, ils font semblant et certains soutiennent le Rwanda puisque le Rwanda a connu des bonnes exploitations de minerais. Et ça, vous en savez, dites-nous. Entre le régime qui a précédé, qui était incapable de restaurer la paix dans la partie est de la République, et le régime qui est ici en train de faire la pression diplomatique pour que nous puissions réussir définitivement à construire ces pays. J'ai toujours dit, le développement d'une nation, je me répète, c'est d'abord son armée, c'est sa sécurité. Et deuxièmement vient l'aspect de l'économie. On ne développe pas un pays, l'économie d'une nation en guerre. Impossible de développer l'économie pendant que vous êtes en guerre. C'est faux, archi-faux. Vous ne pouvez pas parler de maîtrise des taux d'échange. Vous ne pouvez pas parler de cadre macroéconomie réussi si vous êtes incapable de restaurer la sécurité dans votre pays. Puisque vous aurez un problème des investisseurs. Les investisseurs ne peuvent pas venir investir dans un pays à zone rouge où il y a la crise sécuritaire. Impossible. Et ça sera impossible. Et dans tous les pays ou dans chaque pays où la guerre existe, il existe toujours un problème. Ça impacte toujours sur l'économie du monde. Et d'ailleurs, je vous évoque que même la guerre russo-ukrainienne a impacté sur les économies du monde. Il y a certains pays aujourd'hui qui souffrent sur le plan économique dû à cause de cela. Et nous ne pouvons pas développer notre pays si nous sommes incapables d'assurer notre sécurité. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Que Dieu bénisse ces pays. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Ministre des Affaires étrangères. Le Président de la République est rentré dimanche à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale et c'est maintenant l'heure du bilan. Au Gabon, sous prétexte d'un sommet sur la forêt boycotté par la société civile et les ONG, le président n'a fait que renforcer Ali Bongo, cœur battant de la France-Afrique, à la veille d'une élection présidentielle. Au Congo-Brazzaville, il s'affiche tout sourire avec Denis Sassou Nguesso, président militaire et responsable d'une guerre civile ayant entraîné le massacre de milliers d'opposants. Il passera ensuite en Angola, sans dire un mot de l'immonde projet ECOP de Total Energy, qui a déjà conduit à l'expropriation de plus de 100 000 paysans. Puis, pour clore cette magnifique tournée, il s'est rendu samedi en République démocratique du Congo, et là, ce fut le clou du spectacle. Incapable de dénoncer le financement de la milice M23 par le Rwanda, le président a cru bon d'insulter Félix Tshisekedi, puis s'est embourbé dans un discours au relent colonialiste qui a profondément choqué son homologue et l'ensemble du plus grand pays francophone au monde. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. Alors comment s'étonner ensuite que l'influence russe s'étende depuis des années sur le continent africain, où le sentiment anti-français, lui, ne fait que croître? Que beaucoup de ces États refusent de s'engager à nos côtés dans le soutien à l'Ukraine? Qu'après notre échec en Libye puis au Sahel, de grands pays comme le Mali ou le Burkina Faso nous demandent de fermer nos casernes militaires?
Chers collègues, croyez-vous vraiment que ces États sont aveugles à la différence de traitement dans l'accueil des réfugiés venus d'Ukraine face à ceux venus d'Afrique ou du Moyen-Orient ? Ou encore, ainsi que l'acteur Omar Sy nous l'a récemment rappelé, qu'ils ne voient pas notre indifférence face au conflit qui ravage leur continent ? La guerre oubliée du Tigré, qui s'achève à peine, a fait 600 000 morts en Éthiopie. Et Emmanuel Macron a pourtant reçu Abiy Ahmed, responsable de ces massacres, en grande pompe à l'Élysée le mois dernier. Il est temps d'en finir avec ce double standard en matière de droits humains et de démocratie en Afrique. L'Empire français s'est terminé. C'est maintenant avec les diasporas, la société civile et surtout la jeunesse que de nouvelles coopérations doivent se construire à égalité. Alors Madame la Ministre, vous qui êtes une diplomate aguerrie, ma question est simple. Qu'avez-vous pensé de cette tournée du professeur Macron en Afrique ? Je vous remercie. Je vous remercie.